Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Knack. Alors tout d'abord, vous allez devoir parler au personnage Knack. Alors le personnage Knack, il se trouve au-dessus de Lazy Lake. Voilà, juste ici. Donc quand vous aurez parlé au personnage Knack, ben, vous pourrez réaliser les 5 défis qu'il va vous demander. Donc là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais enclencher cette séquence de défis, hop, en lui parlant. Boum, je lui parle, j'accepte les défis. Et voilà, alors le premier défi va vous demander d'ouvrir une caisse enregistreuse. Alors pour ce faire, moi je vous conseille d'aller à Retyro, donc Retyro ben, qui est juste là, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Et là, je vais aller jusque là et détruire des caisses enregistreuses et vous montrer les emplacements. Alors les emplacements des caisses enregistreuses, elles se trouvent dans ce magasin là. Donc là, il y en a 1, 2, 3, donc vous les cassez, comme ceci. Ou alors il faut les ouvrir, je ne sais pas, je pense qu'il faut les ouvrir. Donc là, j'en ai cassé 2, vous ben, ouvrez-les pour que ça valide le défi. Alors, je vais vous montrer d'autres emplacements de caisses enregistreuses. Là, normalement, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Donc ici, il y en a... Ah ben là, normalement, il y en a une, mais il n'y en a pas. Pour le coup, il n'y en a pas. Ici, normalement, il y en a 2. Ok, elles y sont toujours. On va les ouvrir. Hop. Ok, ok. Il fallait bien les ouvrir et pas les casser. Donc voilà, j'en ai ouvert 2. Donc là, ça a validé mon défi. Et là, j'en ai une troisième que je vous montre. Normalement, il y en a une là. Voilà, juste là. Donc voilà, je vous ai montré 5 emplacements, voire même 6 emplacements de caisses enregistreuses. Alors maintenant, le deuxième défi est de détruire des canapés et des lits. Donc pour détruire des canapés et des lits, ben, rendez-vous dans des maisons. Donc là, c'est ce que je vais faire. Il y a une maison là, plusieurs maisons là-bas. Donc je vais aller casser les lits de chaque maison. Alors ici, il y a un petit canapé. Donc ça, c'est validé aussi. Donc je détruis 2 canapés. Ensuite, je vais monter en haut et je vais détruire les 2 lits. S'il y en a 2, je pense qu'il y en a 2. Voilà. Et le troisième, voilà, qui est juste là. Voilà, ça veut dire que là, j'ai terminé le deuxième défi. Et si jamais, ben, il y a d'autres lits et d'autres canapés dans ces maisons-là, juste devant moi. Alors maintenant, il va falloir réaliser le troisième défi. Il va falloir accomplir la quête d'un autre personnage. Donc pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller au-dessus de Corny Complex et aller parler à Chimpanzee Sky qui est juste ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller demander une quête à Chimpanzee Sky pour accomplir sa quête et pour terminer la quête de Knack. Après, vous pouvez accomplir n'importe quelle quête de n'importe quel personnage. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 8. Donc vous allez parler à n'importe quel personnage et ensuite vous acceptez une quête et vous la terminez pour valider le défi. Donc moi je vais demander la quête à Chimpanzee Sky parce que je sais que la première quête est très facile à réaliser, donc c'est ce que je vais faire. Boum, je demande les quêtes de Chimpanzee Sky. Et là en fait, Chimpanzee Sky il va me demander pour comme premier défi d'aller faire une donation au poste de donation. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et le poste de financement se trouve juste à Cathy Corner, juste à côté. Donc, voilà, juste ici, regardez. C'est juste en face de moi. Donc là, je vais donner 50 lingots d'or pour terminer le défi de Chimpanzee Sky et terminer le défi par la même occasion. Merde, j'ai acheté 2 fois. Le défi par la même occasion de Knack. Alors maintenant, le quatrième défi de Knack va vous demander d'acheter une arme de niveau rare ou supérieur à un personnage ou dans un distributeur d'armes. Donc pour vous aider, je vous affiche les emplacements de tous les distributeurs d'armes de Fortnite saison 8. Et je vous ai, ben, les personnages, je vous les ai déjà affichés. Donc ce que vous devrez faire, c'est aller à un distributeur d'armes. Donc là, normalement, c'était un distributeur d'armes, mais là, ça a été un distributeur de soins. Apparemment, ça change. Donc je vais soit aller chercher un autre distributeur ou soit aller parler à un personnage qui vend une arme. Ok, donc j'ai trouvé un distributeur d'armes à la Zilek. Et là, ils vendent une arme rare, donc c'est suffisant. Donc j'achète l'arme rare et comme ça, je valide le quatrième défi de Knack. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arme rare parce que le cinquième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de niveau rare ou de niveau supérieur. Donc moi, ce que je vais faire pour réaliser ce défi, c'est que je ne vais pas m'attaquer à un adversaire. Je vais directement aller m'attaquer à un requin qui se trouve au-dessus de Misty Midom. Donc dans le grand lac là, il y a toujours un requin qui s'y trouve.
Donc je vais aller voir ce requin et je vais lui infliger des dégâts. Normalement, ça devrait valider le défi. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, bah apparemment, il n'y a pas le requin. Parce que je vois qu'il y a des constructions dans l'eau. Je vois qu'il y a du loot là-bas. Donc à mon avis, ils ont tué le requin. Alors ce que je vais faire, bah, c'est que je vais essayer de trouver un adversaire. Ok, donc je savais qu'au lac des canoës, il y avait un requin. Oh non. L'enfoiré, il est monté sur mon bateau. Attendez, lui, il va me tuer, je crois. Faut que je l'esquive. Ok, j'ai réussi à l'esquiver. Je vais vite attaquer le requin pour voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait valider le défi. Ça n'a pas l'air de valider le défi, par contre. Ah si, c'est bon. Ça a infligé des dégâts à des adversaires avec une arme rare ou supérieure. Ça a validé le défi. Donc, parfait. Moi, je vous conseille d'aller directement sur un requin ou alors vous infligez des dégâts à un adversaire pour réaliser le défi. Enfin bref, voilà qui termine le guide complet des défis de Knack. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapulMec et ciao. Peace.